force et développement, tel est le slogan du collectif des cadres de Kulamutu qui a regroupé la logovéen à la maison de la femme pour procéder à la cérémonie d'installation du président de l'antenne de Kulamutu. Débuté par l'allocution du président du dit collectif, il a tout d'abord procédé à la présentation de cette association et définir le thème cadre. Le collectif des cadres de Kulamutu est l'émanation d'une profonde réflexion entre frères et sœurs sur l'avenir de notre cité. La mise en place et l'installation de l'antenne de Kulamutu en mai 2024 a été pour nous un aspect important. Nous rappelons que le 30 mars, nous avons fait notre sortie officielle. Cette sortie était donc guidée par l'idée de nous faire connaître sur le plan national. Et sachant que les actions pour lesquelles nous sommes engagés doivent se développer à Kulamutu, c'est pour cette raison que nous avons annoncé à la date du 30 mars 2024 l'installation de l'antenne locale pour que ce que le Bureau national opère comme activité, que ces mêmes activités se déroule aussi sur le plan local. Suivi de l'installation du président de l'antenne de Kulamutu, qui à son tour a installé ses adjoints et au sorti de là, nous a livré son sentiment. Je tiens à remercier les membres du Bureau national qui, de manière unanime, m'ont passé à la personne. Et j'espère que je serai à la hauteur de cette marque de confiance. C'est un défi énorme, mais aussi exaltant. Exaltant parce que dans les statuts et règlements intérieurs, les objectifs qui sont définis, ce sont des objectifs qui, à long terme, vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des habitants. Cette cérémonie s'est achevée avec une séance de questions-réponses. Le président du collectif des cadres de Kulamutu a incité les assistants à se faire inscrire car cette association est apolitique et toute personne a le droit d'y adhérer.